vous gardez sur vous, je le sais, depuis que je vous l'avais remis, ce symbole de l'obsession qui est la nôtre, et j'espère l'obsession mondiale pour faire revenir les otages avec ce collier qui est celui d'habitude des soldats, ce qu'on n'oublie jamais, qu'on ramène toujours avec soi. Je sais que vous avez sur vous ce collier Bring Them Home, non pas de l'exhiber. Je sais que vous l'avez comme un fil rouge de tout, vous l'avez sur vous, comme un fil rouge de toute votre action diplomatique. Et que je serai à vos côtés pour continuer à mener ces combats. Il y a des jours où on sera totalement d'accord, il y a des jours où on peut ne pas être d'accord sur telle ou telle chose, mais je vous connais pour beaucoup toutes et tous. Il n'y aura jamais de jour où on ne sera jamais d'accord. Parce que vous êtes là et vous battez. Pour ce en quoi vous croyez, pour cet universel. Et en effet, toute cette médaille me rappelle qu'il doit revenir. Il me rappelle aussi que tant que le dernier n'est pas revenu, ce combat n'est pas gagné. Et peut-être certains ne reviendront-ils pas. Ils nous rappelleront que le combat sur nous consiste précisément à ce que cette crise soit durable et à ce que la lutte contre l'antisémitisme, même dans cette Europe, est un défi. Je suis extrêmement honoré. Le prix que vous me remettez aujourd'hui, je considère qu'il m'oblige, il oblige mon gouvernement. Je remercie une fois encore les ministres qui sont là et qui, avec beaucoup de force, chaque jour s'engagent à l'éducation nationale, dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et dans notre diplomatie, à mes côtés, je confonds ce combat des Lumières, les nôtres et les vôtres, car elles sont jumelles et elles vivront avec la même intensité. Je vous remercie. Vive la République.